Bonjour à tous et bienvenue sur le seul jeu qui parle de natation alors que tout se déroule dans le désert, City of Brass. Évidemment, hein, avec mon Intel Core i12, hein, je peux mettre les graphismes à fond, hein, donc le rendu est vraiment chouette. Meurs, objet du diable! Bref, donc on va aller là-bas. Alors il y a des pics au sol, à mon avis il faut sauter, on fait comment? Comme ça. Hop! Magnifique. Boire la potion. Glou, 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 glou. Distilla de la tempête. Je sais pas, ça sert à quoi. Alors lui acheter un objet. Donc apparemment je peux rien acheter parce qu'il faut des pièces et j'ai rien. Bon, on va partir alors. Ouvrir! Ouvrons la porte. Wow, alors il y a des mecs qui arrivent. Tranquille. Waouh. D'accord, donc il y a des squelettes. Meurs, squelette! D'accord, donc en fait, tu lances ton fouet et tu fais apparaître en fait dans ta main un vase. Pour pouvoir mettre des fleurs dedans, je pense. Ah non, d'accord, en fait, c'est pour le lancer. Ok. Un cadavre. Genre, tu peux aussi casser le meuble, quoi. Non-respect de l'artisanat local, hein. Voilà. Ah, d'accord, le meuble a disparu. Boire la potion, encore? Mais c'est une potion de quoi, cette fois? Potion de sommeil. Genre, là, je dors. Écran noir. Merci d'avoir joué. Quintessence de la richesse. Donc, je sais peut-être que là, en fait, on peut récupérer plus de thunes. Mais attends, il faudrait déjà en trouver de la thune, hein. Voilà, donc casse les tables simulator. Meurs, table! Magnifique, ramassé. Oh, une statue. Ah, d'accord. Donc tu voles les statues en fait chez les gens. Tranquille. Ramassé encore une fois. Ça refait de l'argent. Voilà, l'argent c'est bien. C'est quoi ça? Tempête de sable. Mais qui c'est qui lance du sable d'en haut là? On peut monter là-haut. Oui. Y a un mec là. Meurs! C'est qui celle-là? Je les déglingue d'une puissance. D'accord. Elle a disparu dans le sable, je crois. J, c'est quoi? L'archer est expert dans l'art de la guerre. Ok, donc en fait, c'était un guerrier archer. Faire pleuvoir sur vous un déluge de flèches. Son arc, hein, il a pas servi à grand-chose. Donc en fait, on doit lancer de la poterie sur, sur des gens, visiblement. Hein. Un jeu vraiment à la pointe. Dégage! Ah, mais hey, mais il y a une porte là-bas. Hop, tu passes sous le sable, tranquille. D'accord, je lui ai foutu un coup dans l'œil là. Il va pas bien, hein. Crève! D'accord, donc en fait, tu t'infiltres dans un palais avec des morts-vivants qui sont vraiment très très sympathiques, hein. Et tu voles, hein, ce qu'il y a. En fait, on doit être une sorte de voleur, non? C'est ça, je crois. Ou je sais pas. Une croix gammée! Bande de nazis! Ah, il y a un mec là-bas. Mais d'où il est venu ce gars là? Attends, il était pas là. Waouh! What the fuck? Mais qui c'est qui m'a tapé là? Oh, mais crève, mec. Il y a un truc là. Encore de l'argent, oui, magnifique. C'est quoi ça? Non, je me suis fait tuer par du sable. Souffle de la désintégration. Ouais, genre 3 grains de sable, merci. Redémarrer la partie. Ah bah oui, bah j'ai pas le choix. Hein. Je massacre la poterie de votre localité. Aucun respect. Hein. Meurs poterie. Qui c'est qui me tape? Waouh! Tu te retournes, il y a un mec quoi. Crève! Retourne chez ta mère, elle t'a fait des cookies. Okay. C'est sûr que quand t'as le choix entre une épée et lancer un vase sur des squelettes maudits là, hein, et bah tu jettes forcément un vase. Hein. What the fuck? C'est quoi ce truc? What? Il est flippant lui. Eh hey, wow, il fait carrément peur. Alors je crois que j'avais le choix aussi de lancer ça pour les faire exploser. Alors on va essayer. Meurs! D'accord, ça lui a rien fait. Il résiste aux flammes! C'est quoi? Genre, t'es en plein combat, tu vas sur Google pour savoir comment s'appelle une créature qui marche sur deux bras. Eh, mais en fait, c'est une sorte de zombie, genre. Tué par un demi-homme. Genre, je me suis fait dézinguer par une demi-portion, quoi, merci. Alors, pourquoi le sable est devenu bleu, là? Eh, j'ai l'impression que la carte, en fait, elle change un peu à chaque fois. D'accord, c'est jamais la même map, en fait. Ah, c'est cool. Donc là, hein, tu voles les pauvres gens. Je souhaite avoir 1 milliard d'abonnés. Alors là-bas, il y a encore des demi-hommes, là. Ah, dégage! Alors le prochain que je vois, je le tabasse avec mon vase, hein, il va pas aimer. Que la poterie maléfique soit avec moi. Non, dégage. Il y en a un mec là. Non, c'est lui. Non, ah, mais attends. Le mec, il a du sable qui sort de ses yeux, quoi. Normal. J'ai une torche dans la main, hein, alors on va faire un massacre au napalm, je crois. Alors on est reparti, hein. Sur ce magnifique jeu. Ah! Voilà, on voit la distance. Oh, un truc pour fumer. Donc là, faut faire ça et surculer très vite. Ah non, en fait. Waouh! Vase explosif. Oh! Mais qui c'est qui me tape encore? Dégage! Mais what? Mais il sortait d'où ce mec?
Alors, saviez-vous qu'en 1221, ils avaient déjà inventé les hologrammes, hein? Boire la potion. Glou, émulsion d'immunité, waouh! Le machin d'immunité, c'est bien, mais je sais pas, hein, s'il n'y a pas de monstre, ça sert à rien, quoi. Ça sert à quoi, ça? Donner de la santé. Ah bah ouais, bah là, je prends, mais carrément. Meuh! Ah. Alors, j'aimerais quand même me trouver la sortie de ce truc, là. Hop, de la thune! Distia de tempête! C'est quoi, ça? Encore Distia de tempête. Ah non, c'est autre chose, ça. Potion de folie! C'est quoi, ça? Meurs, crâne céleste! Je ne te reconnais pas comme Dieu! Sortir, oui! On l'a fait! On l'a fait en moins de 10 milliards d'années, c'est cool! Et marché interdit! Ouais, ça s'appelait un peu le marché noir, je crois, non? Cet épisode touche à sa fin. Hein, je crois que je vais faire un épisode 2. Hein, ça dépendra des retours et tout. Hein, ce jeu m'amuse bien, honnêtement. Hein, moi, je le trouve vraiment super chouette. Hein, voilà, n'hésitez pas à laisser votre avis, hein, à dire un truc, tout ce que vous voulez. C'est cool. Voilà, sur ce, salut, adios, à plus. Salut.